Et bonjour à tous, donc on se retrouve cette fois-ci sur Eurotrack pour deux épisodes. Donc du coup j'ai pris une mission. Donc du coup bah, on va la prendre. Hein. Normalement on peut la sélectionner vu qu'on y est. Tac, donc je vais la prendre. C'est celle-ci que je veux. Par contre je vais mettre aussi la musique. Parce que sinon, bah... c'est parti. Alors, vue intérieure. Bon, on peut se mettre en 6. Donc c'est la petite rétro... Bah, la petite remorque là avec le... l'excavatrice dedans. Donc on va se mettre tout simplement, on va l'attacher derrière notre camion et puis après on va partir hein. Donc c'est la mission que j'ai choisie, celle qui était la plus près et la plus mieux de front. Oh. Ah bah si, tiens, il y a ça aussi à mettre du coup. Donc on fait ça et puis on repart dans l'autre sens. Allez, c'est parti, en route. Donc là, il faut savoir que là, vous verrez un grand écran cette fois-ci. Sur Eurotrack, on verra comment ça sera. Normalement, ça devrait être un peu mieux quand même. On ne dépasse pas les 50 vu qu'on est en ville, n'est-ce pas? Et puis on y va. Pour tout ce qui est fond vert et Facecom, on verra ça un autre jour quand j'aurai le temps de le remettre en place, parce que c'est assez long à mettre en place. Bah, du moins celui que j'ai est assez long à mettre en place. C'est surtout ça plutôt le problème. Après on verra. Normalement c'est au bout là-bas, je crois qu'on peut... on peut tourner et aller sur l'autre route. Par contre là moi je ne roule pas du tout un milieu de la voie, mais c'est pas grave, je suis plutôt entre les deux. Hein. Allez, on se concentre. Voilà. Très bien. Allez, c'est parti.
sort de la ville, sort de Drama et on va jusqu'à Dijon. Voilà. Donc ça me rapportera 65 000 euros si j'ai pas de dégâts sur la remorque. 55 euros. C'est bien. Voilà, tranquillement. Donc après, on verra. Je sais qu'ils vont bientôt sortir la 4.6 de la Traction Map aussi. Dans bientôt, on sait plus quand, mais. C'est la prochaine à sortir. Forcément, on est à la 4.5.9. Donc on verra. Bah sinon, chaque fois qu'il y a un nouveau mode, bah, j'essaie de le télécharger au maximum. Mais bon. Je sais pas, de plus en plus, j'en ai. Je télécharge moins de mode comparé à. Avant, je téléchargeais pas, je prenais le mode pour les jeux. En fait, j'ai la flemme de chercher peut-être aussi. Parce que c'est long hein, de trouver tous les modes qu'on veut et qui marchent bien et tout ça. Après, quand on télécharge, il faut savoir, il faut les tester et tout. Ça demande un peu plus de temps. Quoi. Du moins pour moi. Je suis pas là quelques jours. Des fois dans la semaine, il y a des jours dans la semaine où je suis pas là. J'ai pas le temps de chercher. Et voilà. Quoi. Merde, ce genre de route, faut pas aller trop vite. Parce que sinon, c'est mal barré. Elle arrive pas à mentir là-bas.
nickel. Nos soucis. Je regarde un peu la vitesse parce que sinon je vais prendre une voiture. Surtout dans la descente, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, on va se dire à tout de suite dans le deuxième épisode sur Euro Truck. N'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, de me laisser des commentaires pour ceux qui ont envie. Et on se retrouve tout de suite dans le deuxième épisode.